Que Dieu soit loué. Dans notre rassemblement, tel qu'on est réunis aujourd'hui, je crois que la première chose est de vous saluer au nom de nos bien-aimés de la France. Vous recevez ces salutations? Vous les recevez? Vos bien-aimés frères vous aiment beaucoup. Il m'avait demandé que partout où tu passerais, que je salue. Et si moi-même j'ai la joie d'être parmi vous aujourd'hui, je suis aussi venu écouter. Parce que j'avais entendu vos témoignages. Et tamboli mokili mobimba. Les témoignages sont partis à travers tout le monde. La foi que vous avez dans ce pays, c'est une grande foi. Et si j'ai prié que le Seigneur, je voudrais arriver sur place pour que je puisse voir. Amen. Comme je suis arrivé, j'ai foi que je verrai cela. Ainsi, quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré mon bien-aimé. Il m'a dit qu'il faudra dire quelque chose à l'assemblée. Je lui ai dit, mon frère, moi je suis venu écouter, que vais-je encore dire? Alléluia. Amen. Si j'ai une grande joie de voir que le Seigneur nous a sauvés, il nous a donné la parole qu'il faut. Nous sommes le peuple qui est béni parce que nous avons la parole qu'il faut. Nous avons la position que Josué avait lorsqu'il avait dit que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Alléluia. Il avait dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Nous ne ferons pas autre chose. Pas d'autre Dieu. Pas un certain prophète. Mais nous servirons la parole de Dieu. Cette parole qui est sortie de sa bouche. Celle qui est la semence véritable. Celle qui n'est pas mélangée. Nous serons comme notre père Abraham. Parce qu'il avait marché avec la parole sortie de la bouche du Seigneur. La parole qui n'est pas sortie d'une certaine dénomination. La parole qui n'est pas venue d'un quelconque homme. Le Seigneur lui-même avait donné la promesse à Abraham. Il avait dit que tu auras l'enfant unique. Le fils que tu auras. Avec ta femme, ton épouse Sarah. C'est par lui que je ferai un peuple. Un peuple qui portera mon nom. Abraham n'a pas regardé autre chose. La Bible dit qu'il n'avait pas regardé à son propre corps. Il a demeuré sur ce qui était sorti de la bouche du Seigneur. Il n'avait pas regardé à une certaine dénomination. Seulement ce que Dieu avait dit. Ce qui est écrit dans sa parole. Amen. C'est ainsi que Josué avait dit, je ne ferai pas autre chose, uniquement la parole de Dieu. Amen. Nous asserrons sur cette parole. Nous savons que c'est celle qui est la semence véritable. Je crois que la parole que je peux vous dire, c'est celle-là. Il faudra que nous soyons dans. C'est elle qui nous donnera la puissance. La puissance de la transformation du corps. Parce que cette parole de la promesse, celle qu'Abraham avait reçue, c'est elle qui lui avait donné la capacité de changer son corps. Le Seigneur nous a dit qu'en ces temps ici, d'autres ne mourront pas. Alléluia. Il a dit que d'autres ne mourront pas. Il avait dit par la voix de la trompette, d'autres, leurs corps seront transformés. Amen. Les corps seront transformés. Mais ça va se transformer par la parole de la promesse. Cette parole qui n'est pas mélangée. Qui n'a pas une pensée humaine. Telle qu'elle est sortie de la bouche du Seigneur de l'Éternel. Amen. Amen. Que le Seigneur ainsi bénisse sa parole. Que je m'asseye aussi pour écouter. Parce que je suis venu pour écouter. Ainsi que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Comme le frère vient de le dire ici, je n'ai pas autre chose à dire, si ce n'est que la joie qui est dans notre cœur d'entendre la parole de notre Père. Et c'est pour nous un grand privilège de se réunir tout autour de sa parole, parce que nous savons dans la parole, il y a la vie. Cette vie est la lumière qui éclaire tout homme. Et le Seigneur vous bénisse richement. Et surtout qu'il bénisse son serviteur qui sera ici pour nous parler. Et nous sommes persuadés que de son trône de grâce il nous parlera. Et nous sortirons tous étant bénis de sa part. Et le Seigneur vous bénisse. Nous dirons dans Apocalypse. Inclinons nos têtes pour prier. Bien-aimé Père Céleste, c'est avec joie et reconnaissance que nous venons devant ta face. Pour exposer nos âmes à ta sainte lumière, pour que tu puisses parler à nos cœurs, nous laver, nous purifier, nous faire connaître tes voies. Nous sommes des hommes faibles. Toi, tu es le Dieu fort. Nous sommes terrestres. Toi, tu es divin. Nous sommes limités. Toi, tu es infini. C'est pour cela que lorsque nous venons à toi, nous sommes confiants, selon qu'il est écrit, que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Pardonne nos manquements, nos faiblesses, nos multiples fautes, mais fais-nous approcher de toi et connaître combien tu nous as aimés. En cette année qui commence, qui est trouvé dans cette année de grâce, sois avec nous dans ta grâce, dans ta miséricorde, dans tes compassions, dans ta fidélité. Voici, nous te l'avons demandé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous chanterons un chant, bois-nous nous t'aimons. 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous lirons encore dans Jean au chapitre 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Amen. Voyez que dans les deux passages que nous venons de lire,
Il nous est parlé de commencement. Dans Jean au chapitre 1er, il est dit au commencement, c'est-à-dire à la sortie de l'éternité, avant qu'il y ait eu la moindre création, au commencement était la parole. Azalaki. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais dans Apocalypse 3, il nous est parlé d'un autre commencement. Là, il est dit, voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Ici, celui qui parle est le commencement et l'amen. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et il est le dernier. Ici, nous avons affaire à deux créations différentes. La première création qui était faite par la parole de Dieu, Dieu n'était pas dans cette création. La création était différente. Dieu était différent. Et la première chose à avoir été créée selon Genèse 1, au verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la dernière chose à avoir été créée, selon le livre de Genèse au chapitre 1er, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Cette création prit 6 jours. Dieu créa les cieux et la terre. L'Écriture dit point. Mais lorsque Dieu se mit à transformer cette création, la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce fut le premier jour. Dieu a commencé à faire la lumière. Et il appela les ténèbres nuit. Ce fut le premier jour. Et au sixième jour, Dieu créa l'homme. Et au septième jour, Dieu se reposa. C'est pendant ce repos que l'ennemi vint et l'homme tomba. Ève, ayant été séduite par l'adversaire, étant sous l'emprise du malin, Genèse 3, s'adressa à Adam, et celui-ci fut désobéissant. C'est volontairement qu'Adam marcha dans la désobéissance, et la mort atteint l'homme. Et depuis ce jour, tous les hommes meurent. Et lors de ce grand jour, de ce terrible jour, Dieu s'adressant à Ève dit, nous sommes dans Genèse au chapitre 3. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, c'est au serpent qui parle, verset 15. Entre ta postérité et sa postérité, et la postérité de la femme écrasera ta tête, et tu lui blesseras le talon. La première chose que Dieu dit, c'est qu'il fit la promesse de la venue d'une postérité qui, contrairement au premier Adam, qui, contrairement à la première Ève, aurait la victoire sur le serpent. Dans Adam,
Tu manifestais la nature de l'homme né de la femme. L'homme tiré de la poussière ne peut pas résister au diable. L'homme né de la poussière, même s'il veut résister au diable, il est incapable de lui résister. Car selon Job 14, il est dit, est-ce que de quelque chose d'impur, il pourrait sortir quelque chose de pur? Et il fut dit à cet homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais au verset 15, Dieu fait la promesse. Bien aimés frères, une promesse est une résolution. Amen. Dans Hébreux au chapitre 6, nous allons lire ça. Verset 17. Commençons verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu manque, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge. Nous n'avons qu'un seul refuge qui a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Il y a deux choses dans lesquelles il est impossible que Dieu manque. C'est dans le serment et dans la promesse. Pourquoi la promesse? La promesse est une résolution. Esaïe nous dit, Dieu a pris une résolution, elle s'accomplira. Une résolution est une chose arrêtée. C'est une chose qui doit s'accomplir. Quand Dieu prend une résolution, il ne demande pas la vie des anges. Il ne demande pas la vie des prophètes. Il ne demande pas la vie des pasteurs. Il ne demande pas la vie des frères. Il décide par sa propre volonté. Abraham, je te bénirai. Alors il jure. Quand Dieu dit je, c'est un serment. Quand Dieu dit je te bénirai, c'est en même temps une promesse et en même temps un serment. Quand Dieu dit je te sauverai, c'est en même temps une promesse, c'est en même temps un serment. Quand le Seigneur dit je m'en vais préparer une place et lorsque j'aurai terminé, je reviendrai vous prendre, c'est en même temps une promesse et en même temps un serment. Ne pouvant jurer par un plus grand que lui-même, il déclare par lui-même, je reviendrai. Il ne reviendra pas quand tu voudras, ni quand le Conseil mondial l'aura décidé. Il reviendra lorsqu'il aura terminé. Terminer quoi? De te préparer une place. Alléluia! Il est monté pour te préparer une place.
Et quand il aura terminé de te préparer une place, il reviendra pour te prendre. En d'autres termes, nous montrons que ceux dont les places ont été préparées, et les places ne sont pas préparées par la volonté de celui qui se prépare, les places sont préparées par la volonté de celui qui appelle. Et celui qui appelle, c'est le commencement de la nouvelle création. Pourquoi une nouvelle création? Il fallait une création dans laquelle Dieu lui-même. Il fallait une création dans laquelle Dieu lui-même pouvait habiter. Dieu n'habitait pas dans Adam. Adam avait la vie éternelle. Adam n'était pas né de nouveau. Adam avait été créé. Il n'était pas né de nouveau. Il n'a pas été engendré. Il n'y avait pas eu de semence. Il n'y a eu qu'une création. Et Dieu n'était pas dans Adam. Mais en Jésus-Christ, le dernier Adam, Dieu était en Christ. De la même manière que Dieu était dans le dernier Adam, Dieu veut être dans la dernière Ève. Dieu n'était pas dans le premier Adam. Il n'était pas dans la première Ève. Il n'était pas né de nouveau. Ils étaient créés. Ils étaient poussière. Ils devaient retourner à la poussière. Mais dans la nouvelle création de Dieu, Dieu voulait communier avec l'homme. Dieu voulait habiter dans l'homme. Dieu voulait vivre par l'homme. Dieu voulait par l'homme manifester ce qu'il était. C'est pour ça que la Bible, parlant de Jésus, il dit, voici ce que dit l'Amen. Il est celui qui a fait, mais il est aussi celui qui a commencé. Le premier Adam n'avait rien commencé. Il n'a rien achevé. Le dernier Adam a commencé une nouvelle création. Il en sera la même. Il est celui qui va achever. De quoi parlons-nous, bien-aimés frères? Nous parlons de l'impossibilité, de l'échec de la nouvelle création de Dieu. Est-ce que vous comprenez maintenant? Dieu oppose le dernier Adam au premier Adam. Le premier Adam était une image du dernier Adam. Mais contrairement au premier Adam, partout où le premier Adam a échoué, Jésus-Christ a réussi. Là où Adam a été désobéissant, Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Là où le premier Adam a amené la séparation, le dernier Adam a amené la réconciliation. Là où le premier Adam a amené la condamnation, le dernier Adam a amené la justification. Là où le premier Adam a apporté la mort, Jésus-Christ a donné la vie. Là où dans la première création, il y a eu un commencement et il y a eu une fin, la dernière création est éternelle. Pourquoi? Parce que son Adam est éternel. Alléluia.
Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin d'un troisième Adam. Il n'y a que deux créations. Et il y a deux Adam. Ceux qui veulent un troisième Adam, qu'ils aillent dans la troisième création. Elle n'est pas dans la Bible de Dieu. Pour nous, nous demeurons dans les limites de la Bible. Nous n'allons pas au-delà. Nous ne restons pas en deçà. L'année 95 a été une année bénie. À tout point de vue, l'année 96 sera une année décisive. Elle sera une année décisive pour Israël. Car les décisions sur Jérusalem doivent être prises. Et quand nous parlons d'une année décisive pour Jérusalem, nous voyons la 70e semaine de Daniel. Et nous voyons que ce sera une année décisive pour l'église épouse. Car lorsque la 70e année de Daniel commence, l'église épouse doit partir. Dieu ne peut pas traiter en même temps avec Israël et avec les nations. Jamais comme auparavant, Jérusalem est entourée de toutes parts. Autrefois, il y avait des frontières. Et l'ennemi était en dehors des frontières. Mais aujourd'hui, l'ennemi est dans les frontières d'Israël. L'ennemi a une caserne à Bethléem qui est à près de 30 ou 40 kilomètres de Jérusalem. L'ennemi a une caserne à Jéricho qui est à l'est de Jérusalem. L'ennemi a une caserne à Gaza qui est à l'ouest de Jérusalem. Et maintenant, l'ennemi veut reprendre le Golan. Jérusalem est entourée de toutes parts. La Jérusalem terrestre, qui est appelée Sion, la cité de David, le grand ennemi d'Israël s'est écrié. La prochaine fête de fin d'année, nous la passerons à Jérusalem. Aujourd'hui, les nations entières ont le regard sur Jérusalem. Pourquoi tous visent-ils Jérusalem? C'est parce que de Jérusalem, la parole est sortie. Et parce qu'à Jérusalem, la parole sortira. De la même manière que toutes les nations visent la Jérusalem terrestre, toutes les dénominations ont un regard vers l'église épouse. Ils ne la citent pas de nom. Parce que pour eux, ce sont des sectaires. Ce sont des hommes qui ne marchent pas comme tous les autres. Tous les autres sont d'accord dans l'œcuménisme. Tout le monde est dans le Conseil mondial des églises. Ils sont tous prêts à faire des concessions. Mais l'église épouse refuse toute concession. L'église épouse, comme nous l'avons entendu ici par la bouche de notre frère, elle ne connaît qu'une seule chose. C'est le ainsi dit le Seigneur. Aujourd'hui, éprouve-toi pour voir si tu es de Dieu ou si tu ne l'es pas. Qu'est-ce qui fait force loi dans ta vie? Est-ce que dit ton pasteur? Ce que dirait un chef de gouvernement? Ce que dirait un prêtre? Ou ce que dirait le pape? Ou bien dans ta vie, il n'y a qu'une seule chose qui compte? C'est ce que Dieu dit. Moi, dans ma vie, comme dans la vie de tous les prophètes, de tous les apôtres, de tous les docteurs, de tous les pasteurs bibliques, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est ce que Dieu dit.
telle est ta position, tu es dans la bonne voie. Tu vas te retrouver sur le même chemin. Ce chemin ne porte qu'un nom. Ce n'est pas les 10 pentecôtistes, ni les 10 catholiques. Ce chemin est un homme. Et il a dit, je suis le chemin. Le chemin est un homme. Amen. Quand tu entres sur ce chemin, le chemin te conduit. Parce que l'homme marche. Il marche où? Au milieu de ce chandelier d'or. Jésus-Christ n'est pas statique. Il a dit, je suis vivant. Ce n'est pas une statue que l'on déplace ou qui est placée sur un crucifix. Il est vivant. Il parle. Ses brebis entendent sa voix et elles le suivent. Et lui, il leur ouvre la porte et elles entrent. Et il y a une communion entre lui et ses brebis. Jésus est le fils d'Abraham. Isaac était fils d'Abraham selon la chair. Et Ismaël était le fils d'Abraham par interprétation. Mais Dieu est parfait en toi. D'abord Ismaël, l'interprétation. Et puis Isaac, le fils selon la chair. Mais finalement Jésus, le fils selon la foi. Jésus est la postérité d'Abraham. Dans Galates 3, Paul s'est dit, je te donne cet héritage à toi et à ta postérité, pas à tes postérités, comme s'il y en avait plusieurs, mais à ta postérité, comme s'il n'y en a qu'une seule. Et cette postérité devait marcher comme lui-même avait marché. Toute la Bible ne nous parle que de Jésus-Christ. Contrairement à la première création, la dernière création commença par l'homme. Dieu engendra l'homme Jésus. De Dieu sortit Dieu lui-même. Jésus n'était rien d'autre que Dieu manifesté dans la chair. Quand Dieu a regardé Adam, il a vu qu'Adam était à son image. Mais quand Dieu a regardé Jésus, Jésus était l'image. C'est-à-dire, Dieu lui-même était manifesté dans la chair. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. Quand Jésus marchait dans les rues de Jérusalem, c'était Dieu dans la forme humaine qui marchait dans les rues de Jérusalem. Quand Jésus ressuscitait les morts, c'était Dieu lui-même dans la chair qui ressuscitait les morts. Toute la parole de Dieu était là. Tout ce que Dieu voulait était là. Tout ce que Dieu était là. Lorsqu'Adam était là, tout ce que Dieu voulait n'était pas là. Tout ce que Dieu était n'était pas là. Dieu était consolateur. Adam n'était pas consolateur. Dieu était sauveur. Adam n'était pas sauveur. Dieu était rédempteur. Adam avait besoin de rédemption. Dieu était créateur. Adam était une créature. Mais lorsque Jésus était là, Dieu était rédempteur. Et Jésus est le rédempteur. Dieu est créateur. Jésus est la créature. Dieu est consolateur, Jésus est notre consolateur. Mais aujourd'hui, il est en nous, sous forme du Saint-Esprit. Dieu au-dessus de nous, le Père, Dieu avec nous, le Fils, Dieu en nous, le Saint-Esprit, un seul nom, pas Adam,
pas Abraham, pas Moïse, pas Jean-Baptiste, mais Jésus. Qui est-il? Les Jéhovah Sauveur. Il est Dieu manifesté dans la chair. Alors Jésus s'écria: celui qui m'a vu, il a vu le Père. Quelle grande révélation! Celui qui a vu Jésus a vu Dieu lui-même, mais dans la chair. Autrefois, l'Écriture dit, Dieu parla à nos pères par les prophètes. Que voyaient les prophètes? Ils voyaient Yahvé. Yahvé, le Seigneur, le Créateur. 1 Timothée 6, 16. Personne n'a jamais vu Dieu. Sous sa forme d'esprit, personne ne l'a vu et ne peut le voir. Mais les prophètes et les enfants d'Israël ont vu Yahvé, la colonne de feu. Dieu était dans Yahvé. Dieu était dans la colonne de feu. Parce que Dieu est cela. Est cela. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Et donc en Christ, Dieu était là. Il était en lui-même. Alors Jésus dit, non seulement Dieu est en moi, mais encore, moi aussi je suis en lui. Amen. Lui il est en moi, moi je suis en lui. Essayez de nous séparer, il n'y a pas moyen. Tu ne peux pas séparer Jésus d'avec Dieu, parce que Jésus c'est Dieu manifesté dans la chair. Ah, ainsi Dieu veut être dans l'église épouse. Elle va marcher dans l'obéissance comme lui-même a marché dans l'obéissance. L'époux sera obéissante comme l'époux a été obéissant, parce que les paroles de sa parole, esprit de son esprit. Et quand tout sera terminé, le fils retournera au père et Dieu sera tout en tous. Dans la dernière création, Dieu veut être tout en tous. Rien ne sera perdu de la nouvelle création. La nouvelle création ne peut pas échouer. La nouvelle naissance ne connaît pas d'échec. Parce que la nouvelle naissance, c'est l'engendrement divin. Tu reçois la nature de Dieu lui-même. Tu deviens parole de sa parole. Comment la parole pourrait-elle chasser la parole? C'est impossible. Tant que nous sommes de la vieille création, la possibilité d'échec est là. Écoutez le grand secret. C'est Jean 8, 24. Vous êtes d'en bas. C'est au verset 23. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Et moi, je ne suis pas de ce monde. Puis il dit ceci, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis Dieu, vous mourrez dans vos péchés. L'homme ne sera pas condamné pour avoir trébuché. L'homme ne sera pas condamné pour avoir commis une erreur. L'homme qui sera condamné, c'est celui qui n'accepte pas l'œuvre de salut accomplie en Jésus-Christ à Golgotha. Et l'homme qui accepte l'œuvre de salut accomplie en Jésus-Christ à Golgotha, cet homme passe par une transformation. Si vous voyez un homme qui n'est pas transformé, c'est qu'il n'a pas accepté cette œuvre. Si vous rencontrez un homme qui accepte cette œuvre, observez et regardez la transformation. Parce qu'on l'a entendu, la parole de la promesse a en elle une puissance qui agit. La promesse fut donnée à Abraham: tu auras un fils. C'était une promesse
C'était une résolution. Dieu connaissait le temps de la promesse. Abraham ne connaissait pas le temps de la promesse. Abraham connaissait la promesse. Et il a porté la promesse en lui. Et la promesse n'agissait pas tant que le temps de l'accomplissement de la promesse n'était pas venu. Abraham pouvait essayer de la mettre en action. Ça produit Ismaël. Est-ce que vous saisissez? Lorsque la parole de la promesse est proclamée, prenez-la dans votre cœur. Et là on a toute la puissance de Dieu. Portez-la. Croyez-la. Vivez pour cela. Espérez en cela. Attendez cela. Au temps de Dieu, tu ne vas plus porter la promesse. C'est la promesse qui va te porter. Amen. 20 ans après, ce n'était pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu approchait. Abraham continue à vieillir. 23 ans après, ce n'était pas le temps de Dieu. Le temps était très proche. Abraham continue à vieillir. 24 ans après, l'heure avait sonné. Quand l'heure a sonné, Dieu lui-même est apparu à Abraham. La promesse fut proclamée dans une prédication par l'Esprit de Dieu et devint la parole de la promesse. La parole de la promesse se mit à agir. L'année prochaine, le moment est fixé. À la même époque, le temps est fixé. Je reviendrai. Il est présenté. Et Sarah, pas Agar. Alléluia. Le temps est là. L'heure est là. Le Seigneur lui-même va agir. Et Sarah, pas Agar. Sarah, la porteuse de la promesse, celle pour laquelle la promesse était proclamée. La promesse est proclamée pour des hommes donnés. Même si elle est proclamée à tout le monde, elle n'est pas pour tout le monde. Elle est pour les élus. Te sais-tu choisi de Dieu? Amen. La promesse est pour toi. Je reviendrai à la même époque. À peine Dieu est parti, le lendemain, Abraham regarde Sarah. Sarah, mais je vois que tu commences à te redresser. Sarah lui dit, oui, oui, moi aussi, je sens que la vigueur revient dans mes bras. Alléluia. 2 jours après, Abraham regarde Sarah. Il dit, mais Sarah, où sont passés tes cheveux gris? Sarah lui dit, moi aussi, j'ai constaté que mes cheveux ne tombent plus. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui intervient dans ta vie pour faire ce que tu ne peux pas faire. Là où tu ne peux pas agir, par grâce, Dieu agit. Là où toi tu ne peux pas bouger, dans son amour, la parole vient et elle te secoue. La Bible dit que l'Esprit de Dieu agita Samson à Makhaté Dan. Et Samson descendant vers les filles. Alléluia. Samson ne s'est pas agité. Puis il est descendu. L'Esprit de Dieu agita Samson. Et Samson descendu. Alléluia.
Lorsque le temps arrive, la parole de la promesse a en elle la puissance. Le corps de Sarah se redresse, les rides s'en vont. Et quand Abimelech la regarde, il dit, mais quelle est cette jolie jeune femme? Elle doit avoir 17-18 ans. On lui répondit, c'est la grande mère Sarah. Elle a 90 ans, mais elle est porteuse de la parole de la promesse. Lorsqu'on est porteur de la parole de la promesse, nous nous écrions comme Marie. Dieu a fait pour nous de grandes choses. Au temps de l'accomplissement, la parole de la promesse va te porter. Abraham a constaté qu'il changeait. Et il regarde Sarah. Sarah aussi changeait. Ils n'ont pas pris de calcul. Non. Le calcul, c'est Dieu qui le faisait. Tout ce que eux devaient faire, c'était se reposer. C'est ça la particularité de l'épouse. Elle commence à Golgotha et puis elle ne s'en éloigne pas. Elle reste à Golgotha. Les autres veulent aller plus loin. Elle dit, moi seulement Golgotha. Vous pouvez aller votre chemin. Je ne connais qu'une seule chose dans ma vie. C'est la croix de Golgotha. Je ne connais qu'une chose dans ma vie. C'est le sang de l'agneau. Je ne connais qu'un nom dans ma vie. C'est celui de Jésus-Christ. C'est le nom que nous portons par le baptême. Nous sommes baptisés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire une chose. À part nous, il n'y a personne sur la terre qui soit baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous sont baptisés dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. D'autres sont humectés dans le nom, dans le titre de Père, Fils et Saint-Esprit. Mais toi, moi et quiconque accepte, nous sommes baptisés, c'est-à-dire plongés dans le nom, le seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, dans le nom de Jésus-Christ. Aucun démon n'est chassé dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Aucun homme n'est, on lui impose les mains dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Tous, c'est dans ce glorieux nom. Il y a un chant qui dit glorieux nom. Glorieux nom. Glorieux nom. Manoac a dit, quel est ton nom? L'ange le regarde et lui dit, il est merveilleux. Jacob lui dit, donne-moi ton nom. Il lui dit, non. Je vais plutôt te bénir. Oh, mais en Jésus, ce nom glorieux, Dieu te l'a donné. Nous connaissons ce nom-là. Nous en connaissons la puissance. Nous n'avons pas besoin de le prononcer dans une langue étrangère. Encore moins en hébreu. Nous le prononçons dans la langue que Dieu nous donne. Car la Bible dit, c'est par des lèvres balbutiantes. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit tomba, c'était le Saint-Esprit par des lèvres balbutiantes qui parlait dans toutes les langues. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même sous forme d'esprit en nous. Amen. Qu'est-ce que cela fait? C'est Dieu qui, après avoir acheté son église, vient habiter dans son église par le baptême du Saint-Esprit. Et Jésus se présente disant, dans cet âge, je suis l'Amen. Nous avons l'Amen. Après ceci, il n'y a plus d'autre révélation. Si quelqu'un vous dit, j'ai une révélation, dites-lui, garde-la. Car moi, j'ai la dernière.
Avez-vous saisi? S'il ajoute, non, celle-ci, c'est la toute dernière. Dis-lui, elle est dans le 23e chapitre d'Apocalypse. Mais moi, dans ma Bible, il n'y a que 22 chapitres. Est-ce que vous saisissez la dernière révélation aux hommes des nations a été donnée par la main. Celui qui achève. Il était celui qui commençait et il est celui qui achève. Qui est-il? C'est Jésus-Christ. Vous êtes un peuple béni. Aux Zaïre, quand il pleut, tout s'arrête. Vous êtes venus malgré la pluie, mais vous êtes des bienheureux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Mais qui est la justice? Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1. Jésus est la justice de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Il est tout pour nous. Il est notre sauveur. Il est aussi notre juge. Mais il est en même temps notre bien-aimé. Et il est aussi notre époux divin. Et c'est notre grand frère. Comment nous jugera-t-il si ce n'est dans un jugement d'amour? Alors nous le disons, Seigneur Jésus, tue-moi. Et il va te tuer dans un acte d'amour. Et tu vas naître de nouveau. Alors la résurrection, elle est pour toi. Car tous meurent en Adam. Mais tous ressuscitent qui n'entreront pas dans la terre. Mais pourquoi le dis-tu? Parce que Dieu le dit. Nous ne mourrons pas tous. Amen. D'ailleurs, moi, j'aurais bien aimé partir avant vous. J'irai me reposer. Car de toutes les manières, nous qui sommes vivants, nous ne devancerons pas. Ceux qui sont endormis, ils doivent d'abord ressusciter. Et puis, eux et nous, ensemble, sur des nuées, on ne va pas se bousculer. C'est pas comme dans les taxis, on se déchire les vêtements. Non, il y aura des nuées au pluriel. Il y aura beaucoup de nuées. Une nuée enleva Jésus. Et des nuées enlèveront l'épouse. Alléluia. Oh Dieu merveilleux. Dieu nous a aimés. C'est pour cela que nous sommes forts. Quand bien même nous voyons notre ciel être gris. Notre ciel être gris. Ça ne nous dit rien. Ça ne nous trouble point. Nous ne sommes pas troublés. Est-ce que vous comprenez ça? Tu vieillis et tu te troubles. Tu tombes malade et tu te troubles. Rien ne va plus et tu te troubles. Tout concourt. Croyez-vous cela? Une autre version dit: tout marche ensemble. Une autre version dit: tout travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Aimes-tu Dieu? Tout ce que tu vis travaille ensemble pour ton bien. Alléluia. Oh, il te reste 500 dollars. Le voleur vient. Même cela travaille pour ton bien. Est-ce que tu comprends cela? Ah, ils ne peuvent comprendre que ceux qui ne sont pas de ce monde. Nous, nous sommes d'en haut. Bien aimés frères, nous sommes d'ailleurs. Nous ne sommes pas d'ici bas. Mais comme le semeur sème la semence et ça tombe sur des terrains et dans des allées différentes, il a semé. Je suis tombé quelque part aux Zaïre. Et toi, tu es tombé quelque part aux Zaïre. Et un autre est tombé quelque part en Europe. Et un autre est tombé quelque part au Congo. Mais nous sommes tous sortis. Alléluia. Amen. Alors quand il a fait ça, je suis tombé là-bas. Ah,
Moi je suis Mongo. Tu es tombé là-bas. Ah, moi je suis Kassaya. Faut pas insulter les Balouba. Tu es tombé là-bas. Frère, moi j'aurais bien aimé être belge. Il est tombé là-bas. Mais et lui, et toi, tous, nous sortons de là. Alors en ce temps de la fin, il a laissé les moissonneurs venir. Mais il laisse d'abord les faux moissonneurs. Ils ont une tâche. Semer des fausses doctrines. C'est une tâche qu'ils ont reçue. Comme Judas avait reçu la sienne. Ce que Dieu a fait, fais-le promptement. C'est-à-dire fais-le vite. Pour que les prophéties se comprennent. Vous comprenez? Laissez-les semer leur fausse doctrine. Ça va servir à lier qui? L'ivraie. Toute l'ivraie. Quand elle entend la fausse doctrine, elle dit c'est sa parole. Ne vous troublez point. Le Conseil mondial des églises. C'est un lien qui sert à lier la mauvaise herbe. Mais il y a aussi un lien qui sert à lier la bonne semence. C'est la parole de Dieu. Et nous manions ce lien par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour le peuple de Dieu. Le temps des hommes est passé. Le temps des assemblées est terminé. Le temps des groupes est terminé. Maintenant, c'est l'heure de Dieu. Avec le peuple de Dieu. Avec le plan de Dieu. Alors il envoie dans son sang des hommes de Dieu. Ils l'ont rencontré. Amen. Dieu dit à Israël, allez à la montagne. Le feu descendit et de la montagne, la voix de Dieu sortit. Avez-vous entendu la chose? Dieu ne leur a pas dit, allez dans la plaine. Le feu était sur la montagne, la voix sortait du haut de la montagne. Avez-vous entendu? Dans la tente d'assignation, la colonne de feu descendait là, et c'est là que Dieu rencontrait le peuple, et le peuple se réunissait devant la tente d'assignation. Quand Jean-Baptiste parut dans le désert, les hommes ne sont pas allés dans les villes, ils sont allés dans le désert, là où la voix de Dieu était. Quand Jésus était au bord du lac, les hommes allaient au lac. Quand Jésus montait à la montagne, les hommes allaient à la montagne. Quand Jésus allait dans le temple, les hommes allaient dans le temple. Que faisaient-ils? Ils suivaient la voix de Dieu. Aujourd'hui, sortez du milieu d'eux. Et suivez la voix de Dieu partout où elle se fait entendre. La voix de Dieu se fait entendre par sa parole. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quelle est la parole de Dieu? C'est Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous comprenons ces choses? Que voulons-nous faire? Nous voulons nous détacher de tout ce qui est de ce monde. De tout ce qui est de ce monde. L'heure est avancée. Nous sommes en 1986-96. Qui pensait arriver en ce temps? En tout cas, pas moi. Je ne le pensais pas. Je ne le savais même pas. Mais bientôt, nous allons voir l'accord sur Jérusalem être signé. Vous rendez-vous compte? Dieu avait dit, David règne à Hébron. Et Arafat est entré comme ça, Dieu. À Hébron. Il y avait des effigies d'Arafat partout. Là où David devait être proclamé roi. À Bethléem, la ville de la naissance du Seigneur, Arafat est entré comme ça. Ça m'a rappelé l'écriture qui disait, David regardant Bethléem, et les Philistins dans Bethléem, il s'écria et dit, qui peut puiser pour moi de cette eau, de cette douce eau de Bethléem, pour que je puisse boire, et que mon âme s'étend. Mes bien-aimés frères, il y a encore des petits David dans l'Israël. Ils chasseront l'adversaire de Bethléem.
Croyez-vous cela? Moi, je dis Amen. J'aime bien les Palestiniens, mais j'aime encore plus Jésus-Christ. Et il a donné sa terre à Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Et cet homme veut aller jusqu'à Jérusalem. Mais non, quiconque essaiera de soulever Jérusalem, il va se rompre le dos. Un homme qui s'est rompu le dos est un homme malheureux. C'est ce qui va bientôt arriver à tous ces hommes. Les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. L'autre jour, on a entendu à la télévision l'évêque responsable de l'épiscopat de France. Il écrit une lettre à Chirac. Et il dit à Chirac, il faut édicter une loi et faire une commission qui va contrôler les dérapements abusifs des sectes. Avez-vous entendu? Cela se déclenche dans toute l'Europe. Et vous savez ce qu'ils appellent secte? Tout groupe qui ne peut pas s'entendre avec l'évêque de la ville. Si vous ne vous entendez pas avec l'évêque de la ville, c'est-à-dire l'évêque catholique, vous êtes déclaré secte. Et aujourd'hui, partout, ils veulent contrôler les sectes. Et sachez que déjà Paul, en son temps, on appelait sa foi une secte. Mais que croyait-il? Tout ce que les prophètes avaient dit. Que croyons-nous? Tout ce que les prophètes ont dit de voir arriver. Comprenez-vous la chose? Nous sommes arrivés à un temps crucial. Nous sommes arrivés à un moment capital. Le temps est arrivé où toutes nos espérances vont devenir des réalités. Nous allons passer de la foi à la vie. Autrefois, nous croyons, mais bientôt nous allons vivre. Vivre ce que les apôtres, les prophètes avaient déclaré devoir arriver. Crois donc que l'Église épouse connaîtra une pression. On leur interdira de se réunir. On ne pourra plus tenir des réunions comme celle-ci. La pression va se faire. Elle se fera politiquement. Mais derrière, ce sera cette femme qui se tient. Cette femme d'Apocalypse 17 qui représente l'Église catholique. C'est elle qui va être derrière, qui va pousser tous ces hommes à prendre ces décisions. Et ceux qui oseront le faire, se réunir, prêcher, baptiser, malgré l'interdiction, ils seront saisis, liés et jetés au fer. Ils seront maltraités. Ce sera des moments difficiles. Ce sera des moments terribles. Mais ce sera des moments glorieux. Quand j'entends cela, j'entends que l'évêque a parlé. Je dis merci Seigneur. Car mes oreilles ont entendu. Je veux voir ces jours. Parce qu'au moment où ils voudront mettre la main sur nous, nous nous échapperons du filet. Comme l'oiseau s'échappe du filet de l'oiseleur, ce sera l'enlèvement. Alléluia. Que ces jours viennent. Que ces jours s'approchent. Plus ils viennent, plus Jésus vient. Voyez-vous cela? Mais ce sont des moments glorieux que nous allons bientôt vivre. Laissez venir ce moment et observez comment Dieu est vainqueur. Les gens ont peur des problèmes. Mais comment saurez-vous que Dieu est un grand vainqueur s'il n'y a pas de bataille? Comment saurez-vous que Dieu guérit s'il n'y a pas de maladie? Comment saurez-vous que Dieu ressuscite s'il n'y a pas de mort? Quand il y a un malade, vous avez peur.
Dieu veut se révéler comme guérisseur. Il faut que la maladie vienne. Peut-on guérir un homme en bonne santé? Ce n'est pas possible. Il faut que l'homme soit malade. Alors le grand guérisseur vient. Vous avez peur parce qu'il y en a qui partent. Mais laissez-les partir. Nous allons bientôt les retrouver. Dis, mes frères, tu croyais nous précéder. Vous ne pouviez pas partir sans nous. Alléluia. Je vais vous dire la vérité. Si tous nos frères qui sont morts, on leur posait la question, voulez-vous retourner sur la terre? Où voulez-vous rester ici? Tous diraient la même chose. Nous ne voulons pas retourner. Savez-vous pourquoi? Il est mieux d'être auprès de Dieu que d'être ici sur la terre. Vous avez peur des problèmes? Et ne craignez pas les problèmes. Moi, j'aime bien les problèmes quand ils viennent. Quand les problèmes arrivent, c'est alors que je dis, oh Dieu, tu es le même. Autrefois, tu avais tourné l'épée de Moab contre l'épée d'Amon. Et tu as tourné l'épée des enfants de Séir contre les survivants. Mais aujourd'hui, tu es le même. Asie. Regardez comment Dieu intervient. Vous voyez ces hommes qui s'entendaient? Et puis subitement l'un qui dit, mais toi aussi tu exagères. C'est Dieu qui entre en scène. Plus les problèmes deviennent difficiles, plus la révélation de Dieu va grandir. Quand tout va bien, est-ce qu'on a encore le temps de prier? Mais non, tout va bien. Là, les prières deviennent courtes. Merci Seigneur. Parce que tout va bien. Quand la bonne nourriture est à table, là, alors là vous entendez de longues prières. Merci Seigneur pour cette bonne parole, pour cette bonne nourriture. Donne-en à ceux qui en ont besoin. Mais quand on te met du pain sec, tu te retournes, tu regardes. Celle qui a préparé, tu ne lui dis rien. Et elle te répond. Parce que là, rien ne va plus. Quand on leur donne de l'argent pour aller au marché, le mari donne l'argent. Elle dit, ce qui pourrait avoir un au monde. Si je dois partir avec ça, toi-même, il dit, mais c'est tout ce qu'il y a. On a 10 000 zaïs. Moi, je peux aller au marché. Même avec 1000, on y va. N'est-ce pas, mes frères? Là, on n'entend pas d'amen. Là, c'est très difficile. Mes soeurs, même avec 1000 zaïs, on va aller au marché, n'est-ce pas? Oh là là, si c'est comme ça que commence l'année, ce sera très difficile. Bien-aimés frères, les oiseaux du ciel, ils ne vont même pas au marché, mais Dieu les nourrit. Est-ce que c'est clair? Bien-aimés frères, je me demande si cette année tu vas encore poser la question. Il faut faire très attention aux questions que posent les frères. Tu vois un frère qui vient, c'est pour les conducteurs. Tu vois un frère qui vient, il commence à dire, frère, est-ce que tu as la brochure mariage et divorce? Demande-lui pourquoi. Alors il ne viendra pas comme ça. Il dit, frère, la parole est merveilleuse. Hier, quand tu as prêché, mon âme se réjouissait. Mes frères, comment reconnaît-on la semence du serpent? Il parle de sa femme. Faites attention. Ne lui répondez pas à la hâte. Dis-lui, mais pourquoi veux-tu la reconnaître? Dis, mes frères, il faut que je la connaisse. Dis non, c'est Dieu qui doit la connaître. Moi, je n'ai pas besoin de la connaître. Moi, je prêche la parole à tout le monde. Et quiconque dit amen, moi, je me réjouis. Le reste, c'est le travail de Dieu. Amen. Mais quand rien ne va plus à la maison, il y a tout le temps des enfants malades, le loyer augmente. Et malgré, bien que le loyer augmente, quand il pleut, on met une casserole ici,
Puis on met un verre là. Puis on met un seau là. Finalement, il n'y a plus moyen de dormir. On reste assis sur le chemin. Alors, commet l'erreur à ce moment-là de dire chérie, peux-tu me donner de l'eau à boire? Elle te dira Maï est ton garçon. Pourquoi? Rien ne va plus. Là, tous les amen restent par terre. Tous les alléluia, on oublie. Mais quand on est ici et qu'on dise, même s'il soit, Dieu nous a réservé une maison. Alléluia. Voyez-vous cela, sœur? Voyez-vous cela, frère? Même sous un arbre, même s'il pleut, Dieu me réserve une place. Croyez-vous cela? Nous sommes les hommes les plus heureux. On leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. André a suivi. Ils lui ont dit, Seigneur, dis-nous où tu demeures. Il dit, je n'ai pas de place. Ils l'ont quand même suivi. Alléluia! Même si nous n'avons pas de demeure, nous suivrons Jésus. Pourquoi? Il y a une demeure dorée qui nous est réservée. Les légères afflictions du moment présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Je me souviens d'une sœur. J'arrive chez elle. Je la trouve fâchée. Elle met les vêtements dans la valise pour partir chez elle. Chez ses parents, je veux dire. Je dis, tiens, sœur, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais quel problème y a-t-il? Ah là 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 là! Ah bon? Oui, je l'avais déjà dit. Rien que ça. Mais c'est un petit problème. Puis elle me regarde. Elle me dit, petit problème ou abîmé. Les légères afflictions du moment présent. Ce sont de légères afflictions. Croyez-vous cela? Des légères. Elles sont légères. Croyez-vous cela? C'est pas moi qui le dis. C'est l'Écriture qui le dit. Toi, tu dis non, frère. Même les douleurs de Job. Dieu dit les légères afflictions du moment présent ne sont pas comparables à la gloire qui nous est réservée lorsque Jésus-Christ paraîtra. N'est-ce pas merveilleux? Ce jour glorieux arrive que tous les prophètes, que tous les apôtres avaient attendu. Paul a regardé, il dit, voici, je m'en vais. Mais la couronne de gloire m'est réservée. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement. Avez-vous aimé l'avènement de Jésus-Christ? Celui qui aime son avènement se prépare. Comme Jésus lui-même est pur. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Le Seigneur nous laisse aller jusqu'au bout. Il veut éprouver notre foi. Vous savez bien aimé frère, si Dieu répondait à la moindre petite prière qu'on faisait, on n'aurait pas assez de foi. Seigneur, j'ai faim, bam, du pain tombe. Seigneur, j'ai besoin de travail, boum, un travail tombe. Ça ne marcherait pas. Ça, aller chez les magiciens, pas chez notre Dieu. Chez notre Dieu, c'est pas comme ça. Chez notre Dieu, c'est comme ceci. Shadrach. Shadrach. Meshach Abednego. Agenouillez-vous devant cette statue. Il dit, ô roi, vie éternelle. Notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas. Bien? Hein?
Comment? Chauffez le feu sept fois. Dans cette âge, le feu a été chauffé sept fois. Toutes les techniques de l'adversaire se trouvent ici à la fin. Toutes les attaques du diable ont été aiguisées ici à la fin. On a chauffé le feu sept fois. Shadrach ont regardé. Ils ont dit, même si tu le fais 21 fois, on ne se prosternera pas. Alors le roi de dit, on va voir si votre Dieu est capable de vous délivrer du feu. Allez, liez-les. On a lié les pieds et les mains. Et ils ont commencé à monter les marches. Je crois qu'il y a certains qui auraient commencé à chanter. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Première marche. Jésus est vainqueur, même du feu. Deuxième marche. Jésus est vainqueur. Troisième marche. Jésus est vainqueur. Quatrième marche. Seigneur Jésus, est-ce que tu vas vraiment laisser cela arriver? Il laissera cela arriver. Jusqu'à la dernière marche, le Seigneur n'est pas intervenu. Mais eux, ils attendaient qu'il intervienne. Première marche, deuxième marche, troisième marche, quatrième marche, cinquième, sixième, septième. Pas de Jésus. Pas de Jéhovah. Personne là. L'ange du Seigneur campe. On ne le voyait toujours pas. On les a soulevés. Yesu. Toujours pas. On les a jetés. Yesu. Toujours pas. Est-ce que vous comprenez? Mais quand ils sont arrivés au fond, le Seigneur les attendait. Il les attendait. Adraki posé la bango, nakatikati ya moto. Nase ya moto. Nasuka. Nasuka ya moto. Quand le problème va grandissant là, il n'est toujours pas là. Mais quand au fond, au bout, alors là le Seigneur les trouve. Et eux, ils le regardent et disent, nous savions que tu interviendrais. Alléluia! Les Nebuchadnezzar prête l'oreille. Vous savez quand le feu chauffe, on entend mais dans les tac-tac-tac-tac, il entend des chants. Il dit, il chante. Quand il regarde, on en avait jeté trois. Mais j'en vois un gratinien qui a l'apparence d'un fils de l'homme. Quand les problèmes viennent, vous avancez. Quand lui saura que tu ne pourras plus tenir, il apparaîtra. Donc toi tu peux résister. Lui il attend. Mais quand tu ne pourras plus, Jésus viendra. Amen. Arrêtez de vous troubler inutilement. Dieu est vrai. Il vit. Il entend. Un jour, un frère m'exposait un problème. Puis je lui dis, voici le secret. Comme tu me parles là, parle-lui comme ça. Il entend mieux que moi. Il voit mieux que moi. Il peut intervenir mieux que moi. Il est incomparable. Tout ce que tu dis, dis-le lui. Assois-toi. Assois-toi. Dis-lui, Seigneur, regarde.
Dernièrement, un frère m'a apporté un problème. On lui avait écrit une lettre. Je lui ai dit, mais fais comme Ézéchias. Prends cette lettre menaçante. Mets-la devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, vois leur menace. Il interviendra. Ah, on veut me mettre dedans, on veut me chasser de la maison. Mais appelle le Seigneur. Dis-le-lui. Marthe a dit, Seigneur, viens et vois. Viens et vois le lieu où on l'a mis. Viens et sens comment il sent déjà. Viens et vois comment la mort a agi. Qui est prêt à faire cela ce soir? Bien-aimés frères, Dieu est vivant. Et Jésus a dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Vous ne vivrez pas parce que vous le voulez, mais parce que je vis. Jésus est-il vivant? Vous vivrez aussi. C'est aussi vrai que cela. Celui qui l'a déclaré, Marthe a dit, viens et vois. Quand Jésus est venu, il a vu. Et quand il a vu, il n'est pas resté insensible. Quand il a vu, il a pleuré. Et après avoir pleuré, il a essuyé ses yeux. Il a dit, ôtez la pierre. Alléluia. Appelez-le. Seigneur, viens et vois mon état. Il va regarder ton état. Il va pleurer. Puis il va te dire, ôte la pierre. Ne doute pas. Ôte la pierre. Et quand il va ôter la pierre, il va dire deux mots. Lazare, sors, tu sortiras. Alléluia. Bientôt, le cri va retentir. Mon bien-aimé, sors. Et tous nos frères vont ressusciter. Depuis le premier jusqu'au dernier. Qui croit cela? Jésus-Christ vient bientôt. Le retour du Seigneur est proche. Jésus est à la porte. C'est le temps de mettre fin à tout. Pleure sur ta misère. Pleure sur ton état. Dis-lui, viens. Vois. Arrête de te troubler de ton état financier. Qu'est-ce que le vêtement? Le corps vaut mieux que le vêtement. Il roule dans des Mercedes. Et il y a un petit démon qui agit. Ils vont voir tous les médecins et rien ne se passe. Et vous les voyez avec tout leur or. Notre Dieu nous a fait une promesse. Celui qui croit en moi, il ne mourra point. Croyez-vous cela? Je suis étonné de voir et d'entendre des gens qui disent, oh le pauvre, il est mort. Vous dites d'un bien-aimé, oh le pauvre, il est mort. Mais vous devriez dire, oh le bienheureux, il est allé se reposer. Heureux ceux qui se reposent maintenant. Oh le pauvre, pauvre en quoi? Il est bienheureux. C'est toi qui es pauvre. Tu es même malheureux. Et en plus misère. Que dis-je, aveugle et nu, et tu ne le sais pas? Est-ce que vous comprenez? Notre Dieu est un Dieu d'amour. Nous sommes arrivés au temps de la fin. L'heure est terminée. Les lampions s'éteignent. Maintenant on ne dit plus le temps est proche. Maintenant on dit le temps est là. Le temps tant attendu est là. Nous ne disons pas que cette année, c'est l'enlèvement, mais nous disons que cette année est une année décisive.
Les débats sur Jérusalem vont bientôt commencer dans 3 mois. Et en dehors de quelques mois, ils devront avoir tout réglé. Et nous devons être partis. Regardez l'acharnement du malin contre les élus de Dieu. Tout devient de plus en plus difficile. Mais il n'y a jamais eu de temps aussi merveilleux. Il n'y a jamais eu de révélation aussi grande que celle que nous connaissons en ce jour. Que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Avons-nous compris la chose? Jésus-Christ est à la porte. Préparons-nous en conséquence. Si aujourd'hui on nous disait, on parlait pas, Mobutu va entrer là, tout le monde va se redresser. Vous allez vous asseoir différemment sur vos chaises. Ceux qui avaient tendance à dormir vont se réveiller. Ceux qui avaient les boutons ouverts vont les fermer. Ceux qui voulaient dormir vont s'essuyer les yeux et tout le monde va s'arranger. Pourquoi le président de la République en... Mais il y a un plus grand que lui. Voyez-vous cela? Il y a un plus grand que Moïse. Si on vous disait que voici Moïse, vous allez tous relever la tête, vous le regardez, mais il y a plus que Moïse. Alléluia! Si on vous disait, regardez Gabriel, celui qui a parlé à Marie, qui a parlé à Daniel, vous allez tous vous retourner. Mais il y a plus que Gabriel ici. Qui est ici? Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Alléluia. Nous le connaissons. Et nous sommes des bienheureux. Quand Dieu s'était présenté à Moïse, Moïse lui dit, fais-moi voir ta face. Il dit à Moïse, nul ne peut voir ma face et vivre. Il dit, je te mettrai dans un rocher. Je passerai devant toi. Tu verras mon dos. Et quand Dieu passait, il proclama son nom. L'Éternel Jéhovah, Yahweh Jéhovah, riche en bonté et en miséricorde. Non à la colère. Amen. Il punit jusqu'à 4 générations. Mais il bénit jusqu'à 1000 générations. Moïse a vu que le dos. Mais toi et moi, nous avons vu sa face. Nous avons vu sa face. Et nous vivrons. Parce que la femme de Manoac a dit à Manoac, quand ils ont vu l'ange de l'Éternel, Manoac a dit, nous qui avons vu Dieu, nous allons mourir. La femme lui dit, non. Si Dieu voulait qu'on meure, nous aurait-il fait voir sa face? Alléluia. As-tu vu la face de Jésus? Mais Dieu ne veut pas que tu meures. Il n'y a pas moyen. Que voyons la face de Jésus. Meurs. Avez-vous compris? Que disons-nous? Si tu as vu la face de Dieu, si tu as vu Jésus, la Bible dit, tu as la vie éternelle. Crois-tu cela? Que Dieu bénisse sa parole. Que cette année nouvelle soit une année glorieuse. Que ce soit une année de victoire. Une année de jubilé. Une année où nous allons livrer bataille. Comme les hommes de Gédéon. Ils étaient 32 000. On choisit 300 seulement. Gédéon. Avec 300 hommes, tu vas combattre. Dieu l'a dit. Gédéon leur dit, vous, vous allez faire comme moi. C'est tout? Vous me voyez faire quelque chose? Vous aussi vous faites. Paul a dit, soyez mes imitateurs. Comme moi je le suis de Christ. Gédéon imitait Yahvé. Et le peuple imitait Gédéon. Est-ce que c'est clair? Gédéon prit dans une main la trompette. Et dans l'autre, il avait un flambeau. Et le flambeau était dans une cruche. Quand les gens voyaient Gédéon, il avait le feu. Et Gédéon leur dit,
Faites comme moi. Quand Gédéon sonna de la trompette, eux aussi sonnèrent de la trompette. Puis ils prirent la trompette. Épée pour Gédéon. Mais eux n'ont pas touché l'épée. Ils sont restés chacun à sa place. Le flambeau en main et la trompette d'une main. Dieu s'est chargé de combattre. Est-ce que vous avez saisi? Proclamez le message. Qu'est-ce que le message? Revenez à la Bible. Quand vous avez proclamé le message, revenez à la Bible. Ouvrez la Bible. Et que la lumière jaillisse. Restez là. Et observez la débâcle. Regardez comment l'ennemi va fuir. Car qui va combattre? Jésus-Christ, il doit combattre. Ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas mon combat. Mon combat, c'est le combat de la foi. Mais la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi en l'œuvre accomplie à Golgotha. Soyez de vaillants guerriers qui boivent l'eau de Bethléem. Amen. On ne va pas boire l'eau en Syrie. Il y a assez d'eau en Israël. Voyez-vous cela? Il y a assez de bienfaits en Israël. Parce que Dieu nous connaît. Dieu nous aime. Dieu te connaît par ton nom. Bien-aimés, savez-vous qu'il y a plus de 5 milliards d'habitants sur la terre? Mais même si tous ensemble on criait, Dieu dira, hein, mais c'est Joseph qui parle. Tiens, mais là c'est Jésus qui parle. Avez-vous entendu? Vous avez déjà remarqué les grands orchestres philharmoniques là? Il peut y avoir 100 instruments. Le conducteur, là, il sait entendre chaque instrument. Tandis que toi et moi, tout est confondu. On entend, tout est la même chose. Lui, à la fin, il dit, tu as mal joué à tel endroit, tu étais trop fort. Quand on te demande à toi, tu dis, formidable. Tu n'as pas l'oreille exercée. Quand les 5 milliards d'habitants parlent, Dieu te connaît. Croyez-vous ça? C'est merveilleux. Donc maintenant là, Dieu me connaît. Mais mon frère, si Dieu te connaît, mais tu es heureux. Comment peux-tu rester dans la tristesse? Dieu te connaît. Donc quand tu te mets à genoux, tu dis, Père Céleste, il répond, oui mon fils. Quand Jean entend cela, il dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Qui n'aimerait pas que Mobutu lui accorde une audience de 2 minutes. Ici, là. 2 minutes seulement d'audience. Dieu ne t'en donne pas 2. Il te dit l'éternité. À peine tu dis, Père, il dit oui. Pas d'audience. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que nous essayons de faire? Nous voulons que vous ayez foi dans votre prière. Les hommes ont foi dans la prière des hommes de Dieu. C'est bien. Mais ce ne sont pas des hommes spéciaux. Ah mais non, ce n'est pas vrai. Ils sont comme vous. Avant d'être serviteurs de Dieu, ce sont des enfants de Dieu. Quel est ce don particulier que eux ont? Pour que, quand on lui dit Père, Dieu vient. Quand tu dis Père, Dieu ne vient pas. Pourquoi? Dieu les écoute
comme il vous écoute. Tout dépend de ta foi. Il n'a pas dit, quand les ministres demanderont, il a dit, demandez en mon nom. La prière est générale. Donc vous devez croire que quand vous demandez, il vous écoute. Croyez-le, mes frères, parce qu'il vous écoute. Ce n'est pas parce que je le dis. Non, je le dis parce que je sais que c'est vrai. Cela est tellement vrai que les hommes sont surpris quand Dieu répond à leur prière. Ils viennent vous dire, prêt, vous avez prié. Tu as répondu. Hein? Et alors, il doit répondre. C'est pour cela que tu as prié. Arrête de t'étonner. Crois. Ce sont les prédicateurs qui prient pour la délivrance. Non. Jésus dit à ceux qui avaient cru en lui, demeurez dans mes paroles. Et si vous demeurez dans mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Mais qui est la vérité? C'est Jésus-Christ. Et la vérité vous affranchira. Croyez-vous cela? C'est malheureux de voir des fils de Dieu. Malheureux. Vous les voyez qui souffrent. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon enfant est malade. Qu'est-ce qui ne va pas? On m'a chassé du travail. Qu'est-ce qui ne va pas? Nya, 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 nya. Il est malheureux alors qu'il a avec lui le Dieu Tout-Puissant. Il faut que ça devienne une réalité là-bas. Il faut que quand tu marches, tu sais. Croyez-vous cela? Il n'y a pas de doute dans vos cœurs? Pas d'hésitation? Croyez-vous que Jésus est vivant? Qu'il exauce les prières? Qu'il donne la victoire? Qu'il donne la guérison? Croyez-vous cela? Nous allons nous lever. Et tu vas éprouver ta propre foi. Mais si tu vois que ta foi est faiblissante, dis Seigneur, viens au secours de ma foi. Laisse-moi me cacher en toi. Laisse l'eau avec le sang qui coule l'air de tes veines être un double remède. C'est pour cette heure que nous sommes là. Le temps est venu où le jubilé doit retentir. La victoire doit retentir. Ne soyez pas désinvolte devant le Seigneur, frère. N'ayez pas l'air de désinvolture, de laisser aller. Vous êtes devant le grand Dieu qui est prêt à exaucer vos prières, qui veut se révéler comme étant le même. Il ne change pas. Il s'est révélé à toi et il veut te bénir. Crois-le et tu le verras s'accomplir. Oh, j'ai défendu. Laisse-moi laisse l'eau avec le sang qui coulait être ouvre ton cœur comme tu tandis que et quand je te verrai sur ton trône.
Crions tous ensemble et levons nos